Salut à vous, bande de fous qui me suivez. Je sais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et donc je vous amène dans un endroit assez spécial où vous pouvez voir derrière moi. Derrière. Voilà. Voilà, un vieux cimetière. Et quand je dis vieux, je pèse pas mes mots. Avec une vieille chapelle à l'ancienne. Et donc je ne suis pas tout seul, vous verrez le personnage qui m'accompagnera dans cette enquête urbex. Certains d'entre vous d'ailleurs doivent connaître. Non, ce n'est pas Morgane. Et donc voilà, donc je vous présente un petit peu le cimetière. Je vais vous montrer certaines vieilles tombes. Il y a un monsieur là qui entretient ce très très vieux cimetière. Donc c'est un sacré endroit, magnifique, dans le Jura. Puisque nous sommes dans le Jura, ne nie ma foi. L'ancien bénitier, comme vous pouvez le voir, qui est aussi pas tout jeune. Et voilà ces vieilles tombes. Vous voyez, il y a la mousse des orties qui ont repoussé dessus ces tombes. Et ces vieilles croix... Exactement, comme vous pouvez voir. Ah, vous avez pu voir un peu un personnage. Mais on va aller le rencontrer. Voilà. C'est quelqu'un, je pense, que vous devez connaître. Vous voyez, c'est toute la vieille tombe à l'ancienne. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, si j'arrive bien à la filmer, par exemple. Voilà, quoi, des côtés assez... assez chargé, on va dire, non seulement en émotion, mais également on sent quand même que voilà, on est dans un endroit fortement chargé où on a l'impression que voilà, certaines entités voudraient si possible communiquer. Vous pouvez voir. Je vous fais le tour parce qu'il est assez grand. Hein. Donc, et regardez, même par terre, on n'est même pas sûr de pas marcher sur des tombes tellement il y en a en fait de partout. Et vous pouvez voir, elles sont vraiment, voilà, c'est vraiment à l'ancienne quoi. Voilà. Alors, on va essayer de rencontrer le fameux personnage. Quand je vous dis que c'est vieux, 1808. Hein. Pour celle-là, en tout cas. Donc, vraiment, il y en a de partout, je vous dis. On ne sait plus où mettre les pieds. Voilà, on vous envoyait de partout. Et... on marche même dessus, c'est un peu de travers. Et vous aurez l'occasion de voir prochainement, donc, cette enquête urbex. Et voilà le fameux personnage qui a déjà enquêté ici, que vous devez certainement connaître. Bonjour. Attends, je vais te montrer à nos amis. Voilà. Bonjour. Le fameux personnage. Et non, ce n'est pas Morgane Priest. Mais comme vous voyez... le look qui ressemble. Le look qui y est. Sauf la bedaine, c'est tout. Voilà. Sauf la bedaine, comme il dit. Voilà, donc pour la fameuse enquête qui se fera très prochainement. On ne manquera pas de vous tenir au courant sur un peu tout ça. Donc vous l'aurez très prochainement dans les semaines qui viennent. Sur ma chaîne YouTube et pour ceux qui m'ont mis sur Facebook, vous aurez également le lancement sur Facebook où je vous dirai à ce moment-là que voilà, le tournage est fait, que l'enquête est faite. Si enquête il y a et que ça se passe comme on veut, si on arrive à avoir quelque chose. Voilà, vous avez cette magnifique chapelle. C'est vraiment un endroit très magnifique. C'est marrant le contraste des anciennes tombes que je viens de vous montrer, vous voyez, et ces tombes, on va dire,
un peu plus récente. Parce que vous voyez qu'au pied de la chapelle, il y a vraiment des... Enfin voilà, c'est tout pété quoi. C'est tout pété. Vous voyez, on peut voir aussi des tombes un peu plus récentes. Donc voilà. Eh ben, je vous tiens au courant les amis. En attendant, prenez soin de vous. Et soyez bénis.